ko toliko imba il demeure sol. Bon, bah, on a livré 278. 278. Il demeure, alléluia.
Seigneur bénit chacun de vous. Il est réel. Le consolateur. Et il est vrai que Dieu nous a promis le consolateur. Pas pour qu'il puisse demeurer dans nos têtes. Pas pour qu'il puisse demeurer dans nos têtes. Mais qu'il puisse demeurer dans nos cœurs. Amen. Amen. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Nous aimons le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que nous aimons de temps en temps. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui disent Alléluia, gloire à Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit. C'est cette église-là que nous aimons. Et nous n'avons pas honte de crier ou de taper ou de courir. Le frère Ben avait même cassé le vitre de la table. Frère Banam a dit ça, c'est très beau. On va réparer ça. C'est le Saint-Esprit. Mais quel est ce Saint-Esprit qui casse les tables? Mais c'est le véritable Saint-Esprit qui peut casser la table, qui peut casser ce micro. Il est le vrai. Ça ne dit rien casser une chaise. Oh, gloire à Jésus. Mais nous ne voulons pas aussi le Saint-Esprit qui tape les gens. Il te trouve, alors il te cogne et tout. Non, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons incliner nos têtes. Et nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, bénis ce moment que tu nous accordes. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis la parole que nous allons lire. Et que par cette parole, Seigneur, que nous puissions être sanctifiés. Sois avec nous, Seigneur notre Dieu, du début jusqu'à la fin. Dispose le cœur de chacun, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Pour que le cœur de chacun puisse recevoir ta parole. Afin que nous puissions être changés. Nous te demandons, Père bien-aimé, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes des enfants bénis. Amen. Dieu vous a bénis avant la fondation du monde. Alors soyez fiers. Chaque jour ici, quand vous êtes dans la rue, vous êtes dans votre maison, vous voulez dormir, dites à vous-même que je suis béni. Dieu m'a béni avant la fondation du monde. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas faillir. C'est Dieu qui l'a dit et cela reste ainsi. Bongo. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Kembona Yesu Kristo nzambe na biso. Frembangu. Ndeko mbangu. Pas tout le monde.
qu'il est arrangé tout simplement. Je voudrais que les gens essayent de voir. Je n'ai pas les tableaux ici. On a mis les dessins ici. Bon, 5 personnes, 3, une rangée. Vous pouvez seulement voir pendant que je suis en train de parler ici. C'est Frère Branham qui a fait ça. C'est pour nous faire comprendre ce qu'il y a. Parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas une histoire. Non. C'est vraiment une réalité. Quand tu as faim, et que tu as mangé, tu sais que tu as mangé. Tu sais faire la différence entre le ventre affamé et le ventre qui est rassasié. C'est ce que nous voulons réellement. Quand tu n'as pas mangé, tu as faim, tu sais que tu as faim. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir te dire que tu as faim. Dieu a fait l'homme de façon que quand il a faim, quelque chose se déclenche en lui et il sent qu'il a faim et il réclame la nourriture. Et quand il a mangé, qu'il est rassasié, il ne peut pas aller plus loin que ça. Il va s'arrêter. Vous dites, ne continuez. Je ne peux pas. Nous, il y a encore de la nourriture. Où est-ce que je vais mettre ça? Donc, tu y es vraiment sûr que tu ne peux plus rien ajouter. Ce n'est pas quelque chose de supposition. Non. Il en est ainsi du Saint-Esprit. C'est vraiment une réalité. Ce n'est pas quelque chose d'à peu près. Comme je vois ça, je vois aussi ça. Peut-être, je peux en avoir à 80%. Ou à 90%. Non, 9%. Non. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu est réel. Là où il est, il n'est pas à 50%. Là où il est Dieu. Il est Dieu. Tout entier. À 100%. À plénitude. Et quand il dit qu'il vient habiter en toi, il sait dans quelle portion. Mais nous croyons que toute la plénitude va demeurer en nous. C'est la Bible qui le dit. Soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. Si tu es ses doigts, c'est ta plénitude. En plénitude. Tu n'es pas ses doigts à moitié. Si tu es l'oreille, en plénitude. Tout membre du corps de Jésus-Christ. La position qu'il occupe, c'est en plénitude. À 100%. C'est comme ça que Dieu a arrangé les choses. Tu n'es pas une jambe à moitié. Non, c'est une jambe en plénitude. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à la plénitude. En d'autres termes, Dieu vous place à ta position dans le corps de Jésus-Christ. Et c'est ta plénitude. Croyez ça. Oh, que Dieu soit loué. Alors ce soir, je voudrais parler un peu de quelque chose qui m'est venu dans la pensée. Je veux parler du feu du Saint-Esprit. Le sujet de ce soir,
C'est le feu du Saint-Esprit. Parce que nous avons lu ça. Que celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Quand j'étais encore enfant, je ne sais pas moi quel âge, 12 ans ou 13 ans, 14 ans, il y avait ces gens qu'on appelle les apôtres. Et il pouvait allumer le feu. Et il va monter sur le feu. Et il ne se brûle pas. Nous, on est allé voir le spectacle. Comment il monte sur le feu et il ne brûle pas? Mais ce n'est pas de ce feu-là qu'il s'agit. Ici, il s'agit du feu divin. Le diable a essayé de faire beaucoup d'imitations. À tel point que dans l'Ancien Testament, il y avait des gens, des parents, des pères, qui mettaient leurs enfants dans le feu. Ce sont les imitations de Satan. Il vous met dans le feu, vous ne brûlez pas. Ah, c'est un miracle, non? Mais ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Et pourquoi William Branham a dit, le diable Satana peut imiter a koki komekola tous les dons de Dieu et parfaitement. Je le répète. Nazongeli. Il faut que nous connaissions ces choses. Et le diable Satana, Satana. Il peut imiter les dons de Dieu a koki komekola makabo na nzambe parfaitement. Na kokoka na yango penza. Il prophétise une chose a sakole loko moko et cela s'accomplit. Mais c'est le diable qui l'a fait. C'est Satan d'asali yango. Dans cet âge ici, na ekeke oyo, c'est un âge de la lumière. Ezali ekeke na pole. Donc Dieu nous a révélé toutes choses. Ce qui fait que nous ne pouvons pas être dans la confusion. Et quand Satan imite le don de Dieu, il y a une chose qu'il ne va pas imiter. C'est la parole de Dieu. Dans ce qu'il fait là, ce sera en dehors de la parole. Mais lui ne le sait pas. Mais le don est parfait. Mais en dehors de la parole. C'est pourquoi on a posé la question à Frère Branham. Il y a des gens qui vont consulter les médiums, les féticheurs. Il va là-bas et il est guéri complètement de sa maladie. Puis, Frère Branham, ça signifie que le diable est guéri. Frère Branham a dit non. Le diable ne peut pas guérir. Parce que la guérison, c'est une résurrection. Le diable ne peut pas donner la vie. Dis, mais c'est quoi ça alors? Ah, notre Dieu est bon. Il dit, la personne qui va consulter le médium, elle croit que Dieu est ici. C'est Dieu là qui a créé les cieux et la terre. Lui, il croit que c'est Dieu qui est là. Et sa foi va faire que Dieu sera miséricordieux à lui et qu'il va le guérir sans regarder les médiums. Et le médium, lui, il va en profiter. Il va gagner de l'argent. Si vous venez chez moi, vous serez guéri. Voyez, frères et sœurs, mais le diable ne peut pas guérir. Le feu du Saint-Esprit, le vrai baptême du Saint-Esprit doit être accompagné de feu. Si le Saint-Esprit descend sur toi et qu'il n'y a pas de feu, c'est seulement une onction qui est venue, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit doit être accompagné toujours du feu. Pourquoi? Parce qu'il doit brûler quelque chose en toi.
Cette quelque chose et là, comment, ne peut pas être brûlé par la repentance. Et, tu peux te repentir, mais cette chose-là restera. La chose qui va la faire partir, c'est seulement le feu divin. Et oh, gloire à Jésus-Christ. Dans Israël à la mer Rouge, deuxième partie, le prophète dit ceci. Je suis au paragraphe 41 et 42. Si vous croyez, si vous dites que vous croyez, et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Donc pour Dieu, quand vous croyez, il vous donne le Saint-Esprit. Il n'y a pas de délai pour Dieu. Si vraiment vous croyez, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui croient. Et comment toi tu crois? Il ne te donne pas le Saint-Esprit. Je reprends ça. Nous sommes en train d'y aller lentement. C'est pour que vous puissiez saisir. Si vous dites que vous croyez, et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Dieu circoncide le cœur à la minute où le croyant arrive vraiment à un abandon total. À la minute même, il vous donne le Saint-Esprit. Oh, c'est glorieux. Il dit amen. Dites donc, mes amis, cela doit sûrement avoir fait quelque chose. Je sens même cela revenir. Saisissez le bien. Lorsque le croyant, voilà donc la chose. Quand le croyant croit fermement au Seigneur Jésus-Christ, vous avez saisi, le banane l'a dit, et cela est revenu encore. C'est glorieux. Donc le Saint-Esprit voulait qu'il puisse encore revenir. Pourquoi? Pour que les gens puissent saisir cela sûrement. Aujourd'hui, si vous oubliez tout le reste, mais ça, n'oubliez pas. Retenez ça. Et si je crois vraiment, je m'abandonne vraiment à Dieu, par la foi, Dieu me donnera le Saint-Esprit. Dès lors, vous n'avez pas à vous tracasser. Parce qu'il y a une piste qui est ouverte. Si tu crois, tu seras rempli du Saint-Esprit. Essayez de quoi? Si Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit, alors il est menteur. Quand le croyant croit fermement au Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien, Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit. Mais je crois que chacun pourra avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Sinon, alors tu ne crois pas encore. Quand le croyant croit fermement au Seigneur Jésus-Christ, Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit. C'est la confirmation de sa foi. Vous dites, qu'y a-t-il, frère Branham? Simplement votre foi. C'est tout. Si vous croyez véritablement, Dieu est là pour vous les donner. Paragraphe 42. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Est-ce juste? Et pourquoi nous? Des années et des années.
dans toutes les églises du message. Depuis que le message est venu, nous sommes là en train d'écouter la parole et le Saint-Esprit ne descend pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Réveillons-nous. Donc nous ne nous attendons pas au Saint-Esprit. Nous ne croyons pas que ce message est vrai. On écoute la parole. Des années et des années. Dans toutes les églises, le Saint-Esprit ne descend pas. Alors aujourd'hui, nous recommençons l'expérience. Que chacun recommence l'expérience. Je ne dis pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je parle aux ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu crois, Dieu est obligé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Ce n'est pas Branham. C'est Dieu lui-même. Et si tu crois, lui-même Dieu est obligé de te donner le Saint-Esprit. Acte 10, 49. Très bien. Remarquez. Le Saint-Esprit et le feu. Et le feu. Na moto sont descendus du ciel. Ba kiti na lola. Ont brûlé toutes les impuretés. Ba zikisi mbindo nyoso. Circoncis le cœur. Kati motema ngenga. Retrancher tous les surplus. Alongo li biloko nzuri akobakisa maona. Et ils sont devenus de nouvelles créatures. Pe ba komi bikelamu ya sika. Frère, c'est ça la parole de Dieu. Yango ndelo ba nzambe. Je ne veux pas aller trop loin. Je veux seulement rester là. Na ninga na tika la wana. Dieu veut donner le Saint-Esprit aux gens. À ceux qui croient. Mais le Saint-Esprit descend avec le feu. Comme vous l'avez vu sur le dessin. Je l'avais déjà dit une autre fois. Tout enfant de Dieu. Quand il est né dans ce monde. Il a deux natures. Frère Branham parle de la prédication de la communion prêchée le 12 décembre 1965. C'est sa dernière prédication. Et après, il est allé mourir. Chaque enfant de Dieu, nous ne parlons pas de la semence du serpent. La semence du serpent n'a qu'une seule nature, la nature de son père. Mais l'enfant de Dieu a deux natures. Et la nature de Dieu et la nature qu'il a héritée de son père terrestre. Que nous appelons la nature adamique. C'est cette nature-là que Frère Branham a symbolisée par le serpent dans le cœur. Ce serpent-là, c'est la nature adamique qui est dans le cœur humain, qui vous donne tous les désirs du monde, tous les désirs de Satan. C'est ce serpent-là qui vous donne ça. Nous tous. C'est pourquoi il faut que le feu du Saint-Esprit descende pour brûler ce serpent-là. Dans l'influence des nôtres, prêché le 13 octobre 1962, disons quelque chose, au paragraphe 184 à 185, le prophète dit ceci: puis nous voyons qu'il confessa son péché. Et tout de suite après, cette grande voix avait parlé. Il descendit en volant. On parle ici de Esaïe qui a écouté la voix. Et l'ange a pris une braise de feu pour venir purifier sa langue.
Il descendit en volant, prit des pincettes, ramassa une pierre ardente, la plaça sur sa main, vint la poser sur les lèvres d'Esaïe et le purifia. Nous sommes nés avec les langues pleines de venin du diable, des serpents. Quand tu essaies de parler, vous blessez les gens avec des paroles dures. C'est le venin de Satan. Comment tu vas encore aller témoigner Jésus-Christ avant que ce venin soit brûlé, consumé? Si ce n'est pas encore purifié, vous serez comme un corbeau qui peut manger la viande pourrie et ça peut manger encore les grains. Et de la même bouche sortira des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. Mais quand la langue est purifiée par le feu divin, tout le venin de Satan est enlevé, il n'y a que la parole de Dieu qui reste. Quand vous ouvrez la bouche, vous annoncez les oracles de Dieu. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est à nous que Dieu parle. Il ne parle pas aux catholiques. Il ne parle pas aux baptistes. Il ne parle pas aux méthodistes. Ni aux gens des églises de réveil. Ni aux pentecôtistes. Mais il parle à toi. Il a crié au message de frère Branham. Qui que tu sois. Que tu aies déjà exercé le ministère des années et des années. Que tu aies été pasteur des années et des années. Dieu te parle. Ce soir, vérifie les paroles qui sortent de ta bouche. Quelles sortent de paroles? Ce sont les paroles du serpent? Ou bien ce sont les paroles de Dieu? Si ce sont les paroles de Dieu qui viennent par le Saint-Esprit, elles devraient être des paroles douces, assaisonnées du sel. Les gens seront contents de vous entendre parler. Mais quand vous parlez, on se méfie de toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas moi qui te parle. C'est Dieu qui nous parle. Et à moi et à toi. Pour que ce soit, nous puissions prendre un nouveau départ. Vos paroles blessent. Vos paroles tuent. Pourquoi? Parce que c'est mélangé du venin de Satan. Le serpent ancien est encore là. C'est lui qui doit blesser. Le Saint-Esprit ne blesse pas. Si le Saint-Esprit vous blesse, c'est que il est en train de panser votre plaie. Vous sentez mal. Et il est en train de panser ça. Pour que vous soyez guéri. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Remarquez qu'il ne l'envoya jamais quelque part pour obtenir son diplôme. Des docteurs en philosophie. Il ne lui donna jamais du livre de règles à apprendre. Oh, venez chez nous. Dans notre loge. Voici les livres. Voici les livres. Qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Oh, chez nous ici, il n'y a pas de problème, vous êtes chrétien. Est-ce que chez vous, vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ? Si vous n'en parlez pas, c'est du diable. Tout endroit où vous allez, on ne vous parle pas de l'enlèvement de Jésus, de l'église, pardon, du retour de Jésus, c'est du diable.
Même si on vous donne des promesses, vous devenez grand, vous deviendrez riche, vous deviendrez ceci, vous connaîtrez ceci. Posez-leur des questions. Qu'est-ce que vous dites de la résurrection de Jésus-Christ? Oh, bon, est-ce que vous croyez vraiment que c'est vrai? Sortez! Bima! Et fuyez! Pekima! Parce que Dieu n'est pas là. C'est plein dans ce monde. Frère Banham parle d'une femme qui étonnait les gens. Donc vous l'avez déjà lu dans, je crois, c'est dans la démonologie. Des années et des années. Cette femme parlait avec les morts. Elle étonnait les gens. Elle disait des choses qui étaient vraies. Mais elle était de la puissance du diable. Frère Banham me dit, regarde dans tout ce qu'elle dit. Rien de Christ. Et rien du retour de Jésus-Christ. Il ne vous donne aucun espoir. Il vous fait seulement tourner ici sur la terre. C'est le diable. Oh mes frères. Oh bande kolangai. Dieu nous a donné de l'intelligence. Dans cet âge ici. Na ekeke oyo. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas être trompé. Dieu montrait au prophète que sa puissance purificatrice venait par le feu de l'autel. Amen. Amen. La puissance purificatrice de Dieu aujourd'hui n'est pas de réciter un credo ou de se joindre à une église. C'est la puissance du Saint-Esprit et du feu qui descend et purifie un homme de toute son incrédulité. Amen. Amen. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit a purifié son incrédulité. Car c'est ça le péché en réalité. Cette personne croira à toute la parole de Dieu. Amen. 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 Donc le cœur d'un homme, un homme qui est né dans le péché, nous tous ici, en dehors de Jésus, nous tous, Branham, Esaïe, Isaïa, Élie, Elia, Abraham, Abalayama, nous tous, nés dans le péché. Donc dans nos cœurs, quand nous sommes nés, nous avons commencé à mentir. Personne ne pouvait nous apprendre comment mentir. Le mensonge était en nous. Les injures étaient en nous. La colère était en nous. On ne nous a pas appris à se fâcher. Ça se trouve en nous. Il peut même voir un petit enfant de 2 ans se fâcher. Quand les choses ne marchent pas comme lui, il le veut. C'est à cause de ce serpent ancien, de la nature adamique. Ainsi, pour que le Saint-Esprit habite dans le cœur d'un homme, cet homme doit d'abord être justifié. C'est-à-dire qu'il doit se repentir. Après avoir écouté la parole, il croit la parole et il se repent de sa vie passée. Je suis menteur. J'étais adultère. J'étais magicien. J'étais ceci et cela. En tout cas, je me répands de ça. C'est une ancienne nature. Je ne veux pas de ça, Seigneur. Je crois en Jésus-Christ. Frère Banham me dit, si vous êtes sincère, Dieu va vous pardonner ce péché-là. Et il va prendre ça, il va jeter dans la mer de l'oubli. Parce qu'il a agréé votre foi.
Comme vous le voyez sur les papiers. Maintenant, vous avez un cœur qui n'a pas de péché. Les péchés anciens là, Dieu a enlevé ça. Mais la nature adamique, qui est symbolisée par le serpent, est toujours là. Et vous venez vous asseoir pour écouter la parole. Et la parole commence à vous sanctifier. Vous savez, les Juifs, par rapport aux païens, aux gentils, ils étaient un peuple pieux. Ils ne pouvaient pas se battre. Ils ne pouvaient pas tuer quelqu'un. Ils ne pouvaient pas commettre l'adultère. Beaucoup de choses. C'est que nous pouvons appeler ici la sanctification. Mais ils n'étaient pas sanctifiés. Parce que quand Jésus les a appelés, ils se disputaient entre eux. Mais qui est plus grand que les autres ici? Si Jésus n'est pas là, mais qui peut les remplacer? Si le pasteur n'est pas là, mais qui peut les remplacer? Le charnel. Jésus les regarde. Il appelle un petit enfant. Petit, viens. Parce qu'il connaissait leur cœur. Mais si vous ne devenez pas comme ce petit enfant ici, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Frère, il fallait qu'il puisse, le Seigneur puisse mettre de l'ordre dans leurs pensées. Et de l'ordre. Molongo. Que leurs pensées soient correctes. Et tes mécanismes na bango ezala sembo. Oh Seigneur. Oh Kolo. Nous sommes allés quelque part. Nous avons trouvé les gens qui étaient en train de chasser les démons. En ton nom. Na yo. Comme ils ne suivent pas, ils ne sont pas avec nous. Dans notre assemblée locale. Nous les avons interdit de chasser les démons. Au nom de Jésus. Parce qu'ils ne les suivent pas. Jésus les a regardés. Mais il dit, mais quelqu'un qui chasse les démons à mon nom, est-ce qu'il peut être contre moi? Leur pensée n'était pas juste. Quelqu'un qui est pour Jésus, mais tout ce qu'il fait, il honore Jésus. Vous voulez seulement qu'il soit dans votre église? Non. Où qu'il soit, s'il honore Jésus, c'est notre frère. Il faut voir l'esprit qui agit dans l'homme et non pas son appartenance à un groupe quelconque. C'est ce que William Branham nous a dit. Ne jugez pas les hommes selon leur appartenance à tel groupe ou tel groupe ou tel groupe. Vous pouvez lire cela dans le discernement de l'esprit. Voyez l'esprit qui agit dans l'homme. Même s'il n'est pas de votre église, mais s'il a un bon esprit, recevez-le. Même s'il prêche les fausses doctrines, si son esprit est bon, recevez-le. C'est ça où il y a Mayon Branham. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui êtes en erreur. Ce n'est pas celui qui prêche les fausses doctrines qui est en erreur. C'est toi. Alléluia. Amen. Parce que frère Branham a dit, celui qui est en erreur, s'il est sincère, un jour, Dieu viendra à lui et il va le corriger et il reviendra sur les bons chemins. Oh frère et soeur, alors maintenant vous passez à l'église, la parole de Dieu est en train d'être prêchée pour corriger votre esprit, les pensées de votre esprit. C'est ça la sanctification. Mais les péchés que vous avez commis là, vous ne reviendrez pas à ça. Dieu les a pris, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. Et quand maintenant
La parole sort. Elle commence à redresser votre esprit. Vous commencez à penser bien. À réfléchir selon la parole. Et non pas selon les traditions. Vous voyez? Et vous êtes rempli de la parole de Dieu. Vous êtes rempli de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient. Parce que la nature adamique est toujours là. Même pendant l'étape de la sanctification. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un dans la sanctification. Il peut être tenté à faire quelque chose. Il peut même tomber. Mais frère Bana me dit, à cette étape, le désir de pécher viendra. Mais vous n'avez pas besoin de pécher. Vous étiez sous là. Vous voyez une bouteille de Primus. Le désir de boire peut venir pour vous tenter. Mais vous n'allez pas boire. Vous n'allez pas avoir besoin de boire encore. Et une fois que vous êtes sanctifié, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui fait son travail. Le même Saint-Esprit qui viendra habiter en vous, c'est lui qui est en train de vous sanctifier. Qu'est-ce que cela signifie sanctifier? Quand la parole sort, le Saint-Esprit vous donne la révélation spirituelle de la parole. Et quand maintenant vous la recevez, vous êtes sanctifié. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, kembo na Yesu Christo. Ça, c'est l'école du prophète. Oh, yo ezali etelo ya mosakoli. Donc nous sommes les disciples de Branham. C'est ça l'université du message du temps de la fin. Amen. Amen. Et comme nous l'avons vu, vous ne pouvez pas recevoir une parole dans votre vie si Dieu ne vous l'a pas encore révélé. Non. Vous écouterez, mais cela ne pourra pas être gravé dans votre cœur. Une parole ne peut rester dans le cœur que quand Dieu vous a donné la révélation de cette parole. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation spirituelle de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Sinon, nous serons comme des tchakous en train de répéter seulement, mais dans le cœur, il n'y a rien. Comme il n'y a rien dans le cœur, nous allons réciter Branham, mais nous n'allons pas vivre ces paroles-là. Vous ne pouvez vivre une parole que lorsque vous avez reçu la révélation spirituelle de cette parole. Vous aimerez votre ennemi. C'est une parole. N'importe qui peut lire ça dans la Bible. Mais il faut que Dieu vous révèle la pensée qui est là. Et une fois la pensée vous est révélée, la parole va s'ajouter dans votre cœur. Et quand quelqu'un viendra comme votre ennemi, le travail du Saint-Esprit, c'est vous amener à cette parole-là qui est déjà dans votre cœur. Et il va vous rappeler ça. Ah, tu as, merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit qu'il faut aimer son ennemi et prier pour lui. Voilà comment les choses marchent. Sinon, vous ferez un travail inutile de venir toujours dans l'église et cela ne vous profitera à rien. Mais nous voulons que l'église vous profite à quelque chose. Quand vous venez à l'église, que votre présence ici vous profite à quelque chose. Lisons quelque chose. Dans la prédication la foi. Prêchée le 29 décembre 57.
Je suis au paragraphe 72. Nazani tenia kotanga tukusambo na mibale. Il dit alors il y a eu ces gens. Alobi na bongo ezaki na batoyo. Le jour de la Pentecôte. Mokona kitela. Qui était craintif. Obazala ki kobanga. Et ils étaient dans une chambre haute. Pe bazala ki na eteni moko ya likolo. Les portes étaient toutes fermées. Ils avaient peur des Juifs. Mais quand Dieu est venu sous la forme du Saint-Esprit et qu'il a baptisé chaque personne de ce groupe du baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est là qu'ils ont pu aller dans la rue. Ils ont été sanctifiés par les enseignements de Jésus, comme nous l'avons écouté le dimanche. Et Jésus les a amenés jusqu'à la frontière. Vous êtes sanctifiés, maintenant restez ici. Moi je m'en vais. Et je vais prier le Père pour qu'il puisse vous envoyer notre consolateur. Malgré la sanctification, malgré l'assurance que Jésus a donnée à Pierre, bien que tu m'as renié, moi je t'aime toujours. Et comme preuve, je te remets les clés du royaume. Malgré cela, dans leur cœur, ils craignaient les Juifs. Ils avaient la peur. Et pourtant, ils étaient sanctifiés. Ils avaient peur des Juifs. Jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit et de feu est entré dans leur cœur. Le feu a brûlé cette crainte-là. A brûlé quelque chose de la nature adamique, du serpent qui est resté encore dans leur cœur. Alors ils sont sortis dans les rues. Écoutez. Et cet homme qui avait juré en présence de Jésus, quelques jours auparavant, a pu dire, homme juif, Mibali et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et comme mes paroles naïe. Et pourtant, quelques jours auparavant, il a renié Jésus. Il a dit, je ne le connais pas. Mais quelques jours après, quand il a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et de feu, la peur qu'il avait devant une femme, que si on sait que, si je connais Jésus, on va me tuer, cette peur-là est partie. Quand le Saint-Esprit entre en toi, Tango moliwa mosato akoti kati na yo, il doit enlever quelque chose esengeli alongola eloko moko qui était lié à ta nature. Oye, kangama kina lolenge na yo. Et toi-même, tu vas donner un témoignage que telle chose est restée toujours en moi. Mais depuis que j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que j'ai senti la chaleur. Non, j'ai senti la paix, la joie. C'est vrai. Et deux semaines après, cette joie-là est partie. Cette paix-là est partie. Vous voyez? Mais quand Paul et Pierre, la peur est partie, il sort devant ces gens-là. Sachez-le donc. Prêtez l'oreille à mes paroles. Vous tous qui habitez à Jérusalem. Et vous qui avez tué Jésus, sachez bien ceci, que Dieu a fait de ce Jésus que vous avez tué, Christ est Seigneur. Si vous ne vous répandez pas, vous mourrez de vos péchés.
Mais cet homme aussi qui a fait peur hier. Quel courage. D'où ça lui vient? C'est parce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu. Mais toi tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu es ministre. Mais tu as peur de notre ministre. Comment expliquer ça? Cette peur-là vient d'où? C'est que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit de feu. Tu dois te sentir libre d'exprimer ce qui est en vous devant toutes les personnes, même devant les rois et les empereurs de ce monde. Vous leur direz, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez. C'est la parole de Dieu. Étienne a regardé le Sanhédrin. Attends, qui banganga nzambe? Qui a crucifié Jésus? Oh, maman, qui est Jésus Christ? Il dit vous. Alors, dit Pino. Incirconcis du cœur. Bato bakata ninga tela mitema. Vous avez toujours été rebelle. Vous arrêtez en ce bâton boki. À ce qu'on dit des prophètes. Là, on va s'arrêter au balobaki. Vous pensez que c'est un homme ordinaire? Étienne. Devant ces autorités là. Libosho ba kondiwa na. Ecclésiastique. Bato ya ensemble. Jusqu'à ce qu'on l'a, on l'a pris. On est allé le lapider. C'est ça le Saint-Esprit. Quand vous commencez à hésiter, à ce que dans le Bible, il si j'ai dit comme ça, il va parler comment? Oh, je ne veux pas avoir de problème avec telle personne. Ah non, je ne veux pas. Je refuse à moi. Mais qui es-tu alors? Nani. Tu es dans la parole. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour prendre la cause de la parole. Pour défendre la parole de Dieu. La nuit comme les jours. Dans toutes les circonstances. Dans de bonnes ou mauvaises circonstances. Le Saint-Esprit déclare la vérité. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez. Bato oyo balangwe te lokola bozako kanisa. Car c'est la troisième heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Kasi zali onde lo bama ki na nzela ya mosakoli Joël. Il a cité l'écriture. Atangi likomi. Qui êtes-vous pour refuser ça? Mais bien-aimé, Dieu Nzambe ne change pas. Ah bon, malakate. Frère Branham a dit, malobaki, nous devons recevoir tozoa, le Saint-Esprit mosanto, de la même manière na lolenge moko, qu'ils l'ont reçu oyo bazwaki, le jour de la Pentecôte. Mokolo na kite la. Oh non, il faut que je voie la lumière. Oh, et Seigneur, on est pour parce qu'elle est là-bas, on vit la lumière. Oui, bon, bon, il faut que j'entends un bruit. Et Seigneur, on est là. Impétueux comme un bruit de. Un vent impétueux comme le bruit d'un vent. Vous ne l'attendrez pas. Mais la chose qui est arrivée là, elle doit arriver dans votre vie. Sinon, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et le feu na moto. Sinon, so kite, vous avez un autre baptême du Saint-Esprit. Oh, les bruits, ce n'est pas ça. Ma kelele, yango anate? Le feu qu'on a vu, ce n'est pas ça. Moto, yango anate? Pleurer, ce n'est pas ça. Kolela, yango anate? Crier, ce n'est pas ça. Konganga, yango anate? Rouler par terre, ce n'est pas ça. Kolo mabele, yango anate? Mais la chose capitale, c'est le Saint-Esprit descende en vous avec le feu. C'est ça le véritable baptême. Parce que l'endroit où le Saint-Esprit va rester, il doit être purifié de la nature que le diable avait placée dans l'homme.
Quand Dieu a créé Adam, tango nde bazalisa ki Adamu. Il n'y avait rien à Adam. Elo komo zakira ki Adamu. Si ce n'est que Dieu. Soki bobele nzambe. Comment vous voulez qu'aujourd'hui Dieu, ndeni bolingi te lelo nzambe, puisse être là-bas côte à côte avec Satan? Azala na pembe na Satana. Dans votre cœur. Kati na motema na yo. Non. Te. Il est jaloux de son épouse. Azala kana zua pona mwasi na ye. Très jaloux. Zua makasi. Son épouse lui appartient à lui seul. Mwasi na ye azali kaka pona ye moko. Et quand il veut entrer dans le cœur, dans son épouse, le diable doit être chassé. Il doit être brûlé. Il doit être consumé. L'endroit doit être purifié. Ça doit être propre. Pour que le Saint-Esprit puisse aller s'asseoir sur son trône. Maintenant, écoutez. Sikawa boyoka. Je suis dans la demeure future de l'épouse céleste. Nazana litea oyo demeure future de l'épouse céleste. Et de l'épouse terrestre. Moi, c'est Nadibala ouais ma belle. Et ici, il est généralement parlé de la terre qui sera purifiée ainsi de suite. Ah, le bipena solo l'icône ma belle et copé tout la mapé bongo la bongo. Mais c'est un type aussi. Kasezali peli lingipe. De notre purification. Ya copé tout le manabiso. Pour que le Saint-Esprit vient habiter en nous. La demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Lisons au paragraphe 101. Il dit ceci. Maintenant, il a appelé l'Église à passer par la justification. Il a appelé à passer par la sanctification. Et ensuite, il a rempli du Saint-Esprit et de feu. Et il a fait passer par un processus pour que lui-même, le Saint-Esprit lui-même, le Fils de Dieu, puisse habiter dans le cœur humain. Maintenant, elle doit passer par là avant qu'il puisse entrer en elle. Allons au paragraphe 111 et 112. Vous voyez, le cœur doit être purifié de cette façon-là. Avant que Dieu ne puisse descendre en la personne du Saint-Esprit, qui est Christ, qui descend habiter dans le cœur humain, il doit d'abord s'être repenti. Il doit avoir été baptisé d'eau en son nom, pour montrer à qui il appartient. Ensuite, il doit être purifié par le sang de Jésus. Alors, le Saint-Feu et le Saint-Esprit de Dieu descend brûler tous les désirs du péché, toute la nature du monde. Ainsi donc, celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et là, de nouveau, la Bible dit, il est impossible, impossible pour celui qui a été purifié et que Dieu est allé habiter en lui, il est impossible qu'il pêche. Car un homme qui est né de Dieu ne peut pas pêcher. Il ne pêche pas. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse pêcher. Il répète ça trois fois. Et vous allez dire non, quand même, il peut. Non. Soyez, éloignez-vous de la parole de Dieu. Laissez-nous la parole. C'est notre parole. Nous croyons à ce que Dieu est en train de nous dire ici.
Il n'y a aucun moyen qu'il puisse pécher. Et si, comment peut-il être un pécheur et un racheté en même temps? Comment est-ce que je peux être dans la maison, la maison de prêt sur gage, et en dehors de la maison de prêt sur gage, en même temps? Voyez, oh, il nous a racheté par son sang, par son esprit, il nous a purifié, et ensuite il vient habiter en nous, l'église, pas la dénomination. Maintenant c'est l'église. C'est quand on est ecclésia. J'espère que vous êtes en train de suivre. Nabanti bosali kolanda. Alors, au paragraphe 143. Je veux seulement que vous écoutiez ce que le prophète dit. Paragraphe 143. Il dit, il a justifié un homme. Alobi a longisi moto moko. Il a sanctifié. A pétolié. Il a envoyé le Saint-Esprit. A tindi molimo mosantu. Et le feu. Na moto. Et il a brûlé tous les péchés de lui. Pe azikisi masumu nyoso yaye. Et il a habité en lui lui-même. Pe avandikati na ye ye moko. La personne du Saint-Esprit. Bo moto ya molimo mosantu. Vous pouvez être sanctifié. Vous pouvez être justifié. Mais vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez aller même à la restauration des dons. De la puissance de Dieu. Parce que c'est là où il y a une intrigue. Il y a trois étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Justification avec Luther. Sanctification avec Wesley. Baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes. Pourquoi parler encore d'une autre étape? C'est là où se trouve le mystère. Normalement, on devait s'arrêter aux pentecôtistes. Parce qu'avec eux, nous sommes arrivés à l'âge de l'Odyssée. Il n'y a pas un autre âge. Mais Dieu nous dit qu'avec cette partie-là, les gens n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Qu'il fallait. C'était seulement la restauration des dons. La restauration de la puissance de Dieu. En fait, vous devez passer par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit. Vous devez arriver à ça. L'onction de Dieu va venir sur vous pour faire quelque chose, faire un travail. Si tu as un don, le don sera manifesté. Mais ce n'est pas encore la fin. C'est là où il y a un. Parce que les pentecôtistes, dans cette étape-là, de la restauration des dons et de la puissance de Dieu, ils n'avaient pas toute la parole. Et le fait qu'ils n'avaient pas toute la parole, ils se sont organisés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter à la puissance de Dieu, à la restauration de la puissance de Dieu. Mais nous devons arriver là. Nous devons passer par là. Si vous dites, ah, nous c'est le message, c'est la parole, sans passer par là, comment vous arriverez là-bas? Par la justification, vous êtes d'accord que vous devez passer par là. La sanctification, vous êtes aussi d'accord que vous devez passer par là. Mais la restauration des dons, vous n'êtes pas d'accord de passer par là. Vous voulez sauter pour aller dans la parole. Non, frère. Prédicateur, vous trompez les gens. Vous trompez l'église.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi frère Bana me dit, dans chaque église, na eklesia nyoso, il y a des dons spirituels. Ezali na makabo ya molimo. Dans chaque église, na eklesia nyoso, il faut seulement savoir comment amener cela à se manifester. C'est tout. Il y a des dons. Mais quand vous n'êtes pas encore arrivé à réussir à les manifester, c'est vous qui êtes le problème. Vous êtes le vos prédicateurs, Yomotei, vos pasteurs, Yomobateli. Mais les dons sont là. Kasi makabo zali wana. Alors cherchez quelqu'un Motomoko, qui peut le faire manifester. Oh my, alléluia. Amen. Gloire à Jésus Christ. Kembona Yesu Christo. Soyons humbles. Tous les amis qui disent ça. Le travail qu'on m'a donné moi, ngai, je ne suis pas capable kokite, de faire manifester les dons. Ya komoni sa makabo. Mais dans le corps de Christ, kasi na jotuna Christo, il y a quelqu'un, ezala motomoko, il y a quelques personnes, ezala bato mususu, qui peuvent le faire. Oba kosala yango. C'est leur responsabilité. Ezali mokumba na bango. Je n'aurai pas honte. Koyoka sonite. J'irai le chercher. Donc, koluka bango. Viens faire ton travail. Ya kosala mosala na yo. Voici l'église. Dans l'église yango yo. Tu es dans le corps de Jésus-Christ. Osana na Jésus Christo. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand vous dites, oh les dons, oh makabo, c'est le pentecôtisme. Frère, soyez humble. Soyez humble. Mais toi-même qui parles, qui prêches, mais tu as un don. Alors, commençons par chasser ton don à toi. Toi aussi arrête de prêcher. C'est du pentecôtisme. Oh, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Mais c'est une étape, étape par laquelle Oyo, l'épouse moi, na libala, doit passer. Et sengeli ale kawana. Pour arriver à l'étape glorieuse. Donc nous sommes en train de parler ici. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ezali malamu, bongote. Paragraphe 145. Itenye kotanga mukama na tukumi na mitano. Vous devenez une nouvelle personne. Okomi moto ya sika. Amen. Amen. Pas juste une ancienne qui a été rapiécée. Ezali moto ya kalate oyo bakati kati endambo. Ezali moto ya kalate oyo ba changer ba pièce. Kizobazoba. Kizobazoba. Ici chrétien, ici païen, ici coutumier, ici quelqu'un de message. Moi ndambo ya bokoko, moi ndambo ya libota, ndambo sangwa malamu. On ne veut pas de ces gens-là. Tolingi bato ndenge wana te. Nous avons besoin des gens qui deviennent de nouvelles créatures. Tozana bosenga ya bato bazali kokoma bikelamu ya sika. Pas juste une ancienne qui a été rapiécée en adhérant à une église ou en essayant de tourner la page. Mais vous êtes une unité complètement neuve. Quand le Saint-Esprit entre avec le feu, vous devenez une nouvelle, une autre personne qui n'existait pas. Amen. Si votre père vous raconte, il ne vous reconnaîtra pas. Il reconnaîtra cette terre ici. Mais toi qui es à l'intérieur, il ne te reconnaîtra pas. Une nouvelle personne. Moto Yasika. Une nouvelle personne. Moto Yasika. Des choses anciennes là. Makambo wana yakala. Des querelles. Koswana. Des nervosités. Kosilika. Des jalousies. Zua. Des malices, ruses. Maele mabe. L'orgueil. Lolendo. Toutes ces histoires là. Makambo swana. Dans la nouvelle personne. Na moto Yasika. Où le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit qui a brûlé tout, vous ne trouvez pas ces choses-là. C'est pourquoi vous trouverez dans les cœurs qui sont sur les papiers, il n'y a que la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la patience,
C'est tout. C'est le serpent ancien. L'ancienne nature adamique. Qui crée la jalousie. Qui crée les querelles. Qui crée la méchanceté. Et toutes ces choses-là. C'est quand lui est encore là. Que ces choses-là seront produites à toi. Mais une fois le feu divin. Le consume. Qui va produire ça? Le Saint-Esprit? Non. Lui ne produit que la paix. La joie. La tempérance. Ainsi de suite. Frère, Ndeko, c'est difficile. Ils allaient pas si. C'est dur. Ils allaient pas si. Mais c'est ça la vérité. Yangonde bosolo. Je sais que je ne le suis pas encore, peut-être. Naebi mamsu na komina noté. Peut-être que tu l'es pas encore. Mamsu na komite. Mais c'est là où nous devons arriver. Kuna ne sengrito koma. Si nous n'arrivons pas à ça, pas d'enlèvement pour vous. Koneto la mesalite pona yo. C'est la demeure de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Ils doivent venir habiter sur une nouvelle terre, purifiée de tout germe de maladie, de tous les démons, brûlés, consumés. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors la nouvelle Jérusalem viendra habiter sur cette terre-là. La même chose avec votre cœur. Il faut que le feu divin puisse brûler toute impureté, toute incrédulité à la parole de Dieu, toute méchanceté, tout égoïsme. Afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter. Voilà l'âme qui est rachetée. Que le diable ne vous dise pas le contraire. Je suis doux aujourd'hui. Et le lendemain, par une circonstance, j'explose. Frère. Sœur, s'il vous plaît, je vous en supplie, oubliez cette tempérance-là, ou cette douceur-là, parce qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit. La douceur du Saint-Esprit, elle est permanente. Elle ne dépend pas des circonstances. Parce que ce n'est pas vous qui produisez ça. Mais la tempérance que moi j'ai produit, ou la douceur que moi j'ai produit, elle va dépendre des circonstances. Si tu es bien avec moi, je serai bien avec toi. Mais le jour où tu vas changer, moi aussi je vais changer. Ça, ce n'est pas la tempérance ni la douceur qui viennent du Saint-Esprit. J'espère que tout le monde attend ça. N'écoutez pas par rapport à ce que vous êtes. Écoutez par rapport à ce que Dieu vous dit. Vous peut-être, vous êtes déjà fabriqué un certain profil. Moi j'ai le Saint-Esprit. Parce que j'ai fait ceci. Parce que j'ai fait ceci. Mais maintenant, écoutez ce que Dieu vous dit. Il n'y a pas moi j'ai fait ceci. Ou moi j'ai fait ceci. Non. Le Saint-Esprit, c'est ce que lui, le Saint-Esprit, produit. Moi je ne suis pas là. Je reprends. Les attributs du Saint-Esprit ou les vertus du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui produis ça. Si moi je produis, c'est-à-dire que je peux faire les efforts d'imiter.
comme tous les païens, ils ne sont pas des chrétiens, ils peuvent faire les efforts d'être doux, d'être bon, mais il n'est pas chrétien. Donc sa bonté là, c'est pour un temps. Quand quelque chose arrivera, ça va disparaître. Parce que c'est sa bonté à lui. Mais pour ce qui est du Saint-Esprit, ce n'est pas notre bonté à nous. C'est la bonté du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas limiter. Tout ce que moi je serai, avec la bonté du Saint-Esprit, moi je deviendrai Zoba. Parce qu'on me fera des choses. Si c'était moi, je réagirais. Mais comme c'est le Saint-Esprit, moi je suis incapable de réagir. Donc je deviendrai Zoba devant les gens. Quand on me regarde, bololé. On lui fait ça. On lui fait ça. Lui il ne dit rien. Il y a le côté. Parce que ça ne dépend pas de lui. Il y a quelqu'un qui est en lui. Qui vit une vie. Donc lui ne dépend pas de ça. C'est ça le Saint-Esprit. Ne faites pas les efforts. C'est une peine perdue. Ok. Aucun homme ne peut venir à moi sans que mon Père ne l'attire. Amen. Amen. Je suis maintenant au paragraphe 194. Nous sommes en train de parler du feu du Saint-Esprit. Comme il nous a fait à nous sa création pour pouvoir y vivre, avant de pouvoir y entrer, il a dû nous donner le baptême de feu. Alors le Saint-Esprit entre en nous pour y vivre le baptême de feu. Il faut que ça soit ainsi, frère. Pourquoi vous voulez éviter ça? Ce n'est pas un feu qui brûle. Non. C'est un feu doux. Mais qui brûle la nature adamique. Le serpent ancien. Quelque chose qui est lié à votre nature. Et qui pourra être un obstacle pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu doit enlever ça. Il doit enlever ça. Il dit, alors quand vous recevez ce baptême de feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Qu'est-ce? Ce qu'il fait, c'est qu'il brûle tout ce qui est contraire à la parole pour l'enlever de vous. Voyez, il ne croira rien d'autre que la parole. Parce qu'il est la parole. Voyez, 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 le Saint-Esprit ne veut rien trouver en vous, mais contraire à la parole. Si tu es déjà sanctifié, il reste quelque chose en toi de contrer à la parole. Avant que le Saint-Esprit entre, le feu divin va d'abord consumer ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas heureux d'entendre les oracles de Dieu. Donc aujourd'hui, pas de confusion. La trompette a sonné avec un son clair. Pas un son confus. S'il y a encore les désirs du monde en vous, l'orgueil,
Je connais plus que celui-là. Je vaux plus que celui-là. Ce sont les histoires du monde. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter là. Il faut que ça soit d'abord consumé par le feu. Parce que lui, il veut entrer là où il n'y a que la parole. Pour vivre la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Paragraphe 253. On va bientôt arrêter. J'espère que ce n'est pas difficile. Maintenant, nous sommes fixés. Et nous allons bien avancer. 253. Écoutez bien. Aucun homme. Motomokote. Aucun homme. Motomokote. Personne. Motote. Aucune femme. Moi si mon copete. Garçon. Mobali. Ou fille. Toi elenge moi si. C'est grave. Peu m'importe qui c'est. Et t'as été sur Casalinani. N'est apte à aller en chair. Azana ma kokite roke na itumbelo. Ni même à se dire chrétien sans être rempli du Saint-Esprit. Aucun. Personne. Aucun homme. Aucune femme. Aucun garçon. Aucune fille. Aucun ministre. Personne ne peut venir ici. S'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ne peut se dire chrétien. S'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur. À la Sainte Cène. À la communion. Si nous l'avons fait par ignorance, aujourd'hui, prenez la décision. Quand nous aurons la Sainte Cène, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne venez pas. Abstenez-vous. Même s'il y a seulement deux personnes qui ont le Saint-Esprit, ils viendront à la Sainte Cène. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu ou que vous ne serez pas sauvé. Non, votre temps viendra. Mais maintenant, nous voulons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous voulons quand même vivre cette parole. Pas des à peu près. Oh, comme vous êtes bon, vous êtes gentil. Quand même, vous pouvez venir. Si quoi, non. Sikoyo, non. Nous voulons suivre ça. Tolingito landa oyo. Soyez sûr. Dimisama. Parce que quand vous venez et que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous signez votre condamnation. Ozali ko signer et quoi iseli na yo. Oh mes frères. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur. Ni à la communion. Au lavage des pieds. Ni rien. Tant que vous n'avez pas été purifié par le Saint Feu de Dieu. C'est fort, n'est-ce pas? 254. Dès 54. Il le reprend. Aucun homme n'a le droit de prêcher tant que, comme Moïse, vous ne l'avez pas rencontré là, sur ce terrain sacré, cette colonne de feu qui se tient là, alors il sait où il en est. Voyez, frère, il faut qu'on arrête ça. J'ai un appel. Cela bouillonne là-bas. Il n'y a pas de problème. Je vais aller prêcher. Je vais aller prêcher. Et tu prêches bien. Mais tu es impudique. Tu es colérique.
Tu es rusé. Tu as de la malice en toi. Tu fais des compromis avec la parole de Dieu. Tu fais la politique. Toutes les choses comme les gens du monde. Sauf que vous pouvez prendre la Bible et venir vous tenir devant les gens. Frère, on ne refuse l'appel de personne. Mais nous voulons obéir au Saint-Esprit. Nous voulons obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en vous, il ne dit jamais la vérité. Frère, alors qu'il est l'Esprit de vérité. Oh mes bien-aimés. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'espère que tout le monde a compris. Ou dis-moi, tout le monde a écouté. To, le feu du Saint-Esprit. Moto ya molimo mosantu. Le vrai Saint-Esprit. Molimo mosantu, oh ya solo, le vrai baptême du Saint-Esprit. To, li batisa ya solo ya molimo mosantu. Est accompagné du feu. Et tambola ke longo na moto. C'est ce feu-là qui va brûler le reste de la nature adamique pour purifier l'endroit où lui-même le Saint-Esprit va entrer. C'est pourquoi Frère Branham parle de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit et du Saint-Esprit lui-même. Donc ce message nous a ramené le Saint-Esprit lui-même dans l'église. L'ange de Dieu est dans l'église. La colonne de feu est dans l'église. Et il doit prendre sa, une position centrale dans son église. La colonne de feu, l'ange de l'Éternel, c'est lui qui conduit l'église. Yende akambaka ecclesia. Frère Branham dit que nous avons trois choses. Nous avons la parole. Nous avons le prophète. Qui est le Saint-Esprit. Et nous avons l'ange. Qui conduit l'église. Le Saint-Esprit. Il doit vivifier la parole. Il doit manifester la parole. Et cette parole, vous devez la voir. Et cette parole, c'est le message du temps de la fin. Pas autre parole. C'est la parole pour notre âge. Nous devons d'abord la recevoir. Et le Saint-Esprit que nous avons, il va vivifier la parole. Et l'ange de l'Éternel, il va nous conduire. Frère Branham me dit, je crois dans les dix vierges. Je vais chercher ça. Il dit que l'ange de l'Éternel est maintenant sur la terre. Il est en train de faire des va-et-vient. Frère, Ndeko. Et quelque part il a dit que cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi, Branham. C'est pour l'église qu'elle est venue. Et Branham n'est pas parti avec la colonne de feu. La colonne de feu est maintenant dans l'église. C'est elle qui conduit l'église maintenant. Elle est là. Azaliwana. Jésus-Christ. Jésus-Christ. À personne. Yemoko na bomoto na ye. Oh frères et sœurs. Oh ndeko mwasi mobali. Jésus-Christ. Jésus-Christ. La parole ouinte. Liloba oye pakolami. Elle est dans son église. Azali kat na eklesia na ye. C'est elle qui prépare l'église. Yena azali kolenga la eklesia.
Ce n'est pas un homme qui prépare l'église. Et quand il verra que l'église a atteint la maturité, quand il va regarder à l'église, que l'église croit chaque parole, comme lui-même croyait chaque parole, il se verra à travers l'église. L'église va le refléter. Alors, il y aura l'enlèvement. Oh frères et sœurs, c'est un mystère de Dieu. Il n'allait pas dire que Jésus-Christ est venu déjà pour prendre son église. Non, ce n'est pas ça la seconde venue. Mais nous croyons que Jésus devait retourner dans son église pour manifester le Fils de l'homme à travers le prophète. Mais lui-même devait être là sur la terre. Pas une imagination. Non, cet être-là surnaturel qui a créé les cieux et la terre, il est venu sur la terre aujourd'hui. Dans ces derniers jours. C'est ça le message pour notre temps. Ça, les pentecôtistes ne croient pas à ça. Et si vous dites que vous avez des messages, vous ne croyez pas que Jésus, dans sa personne, est venu sur la terre. Il parlait avec Frère Branham. Frère. Et il est là au milieu de nous. Il peut aussi vous parler. Mais il était venu. Sinon, la manifestation du Fils de l'homme ne pourrait pas avoir eu lieu. Parce qu'il est écrit. La même personne qui a manifesté le Fils de l'homme, le Messie, en Israël. Et aux Samaritains, il a promis qu'au dernier jour, il reviendra vers les gentils pour faire la même chose. C'est lui qui nous enseigne toutes ces choses. Alors aujourd'hui, nous avons reçu quelque chose de plus. Le feu du vin doit d'abord brûler tous les désirs de Satan dans nos cœurs. Ou plutôt la source même qui nous donne ces désirs-là. Ça doit être brûlé. C'est alors que le Saint-Esprit descendra dans votre cœur. Si cette source-là n'est pas encore arrêtée, lui ne viendra pas. Il ne viendra pas. Parce que dans une circonstance donnée, tu vas injurier quelqu'un. Tu vas mépriser quelqu'un. Tu vas dénigrer quelqu'un. Parce que cette nature-là est toujours là. Nous ne sommes pas en train de raconter les histoires. C'est ça la réalité du message que William Branham nous a révélé. Croyons à ça et allons vers Dieu. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Maintenant même, si wapenza, je crois, ntimi, je sais na yebi, que cette nature-là n'est pas encore partie. Devons être sincère devant Dieu. Tu dois être sincère. Ne remets pas cela à demain. Ce soir, je ne dis pas que tu dois recevoir le Saint-Esprit ce soir. Reconnaître que cette nature-là n'est pas encore brûlée. Elle est à moi. Sans du moins, si tu es sincère, tu dois reconnaître ça avant de sortir d'ici. Chacun de nous, Dieu est en train de nous regarder. Tu peux me mentir. Je peux me mentir moi-même. Mais je ne mentirai pas Dieu. Dieu te voit, mon frère. Ma soeur, Dieu te voit. Peu importe.
importe si Dieu vous parle. De plusieurs manières. Tu vois des songes qui s'accomplissent. Ce n'est pas ça. Mais la nature qui est en toi, Adamique, ce n'est pas toi qui l'as voulu. Nous l'avons hérité par notre naissance. Mais Dieu veut brûler ça. Mais il faut que toi tu reconnaisses et que tu lui dises: je sais que tu sais. Moi je sais qu'il est toujours là. C'est pourquoi je viens à toi. Pour que tu brilles ça. En tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Mais un de ces jours ici, je ne veux pas de ça. Je veux que ça soit brûlé. La nature adamique qui me donne la jalousie, qui me donne l'orgueil, qui me donne la colère. À tout moment, quand on parle de mal de moi, je me fâche, je prends des décisions. Cette nature-là, c'est adamique. C'est ce que le feu divin doit brûler pour que le Saint-Esprit entre. Mais je sais que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous parle pour nous sanctifier. C'est lui qui nous donne l'inspiration. C'est lui qui nous révèle la parole. Mais ce que nous voulons, que lui vienne habiter en nous. Mais il ne peut venir que lorsqu'il a brûlé la source est là. La source des mal. Le feu divin doit brûler ça. Frère, c'est maintenant entre tes mains. Fais de cette parole ce que tu veux. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, j'abandonne tout à lui. Je donne tout, je l'aimerai, mais comme fier, je vivrai dans sa présence. J'abandonne. J'abandonne tout, tout à lui, mon sauveur béni. Yeah.
ma paix à toi. Était prêché. L'Iloba était ami. Que chacun de nous saisisse l'occasion. Non seulement ici à l'église. Quand chacun rentrera chez lui. Restez dans le calme de votre chambre. Et réfléchissez à cette prédication. Ne mangez pas seulement et puis aller dormir. Réfléchissez. Demain matin, réfléchissez encore. Prenez cette prédication. Comme c'est Dieu lui-même qui vous a parlé. Et réfléchissez à ça. Par rapport à votre nature. Par rapport à ce que vous êtes. Réfléchissez mon frère. Ma soeur, réfléchissez. Passez même toute la semaine. À penser à ça. Parce que nous voulons recevoir le vrai, le véritable baptême du Saint-Esprit. N'oubliez pas ça. Ne soyez pas distraits. Cette semaine, pensez à cette prédication. Quand vous prendrez de l'eau à boire, après, Sima, pensez à cette prédication. Kanisa lite ya oyo. Quand vous aurez à parler avec quelqu'un, ou quelqu'un vous a dit quelque chose, regardez votre réaction et pensez à cette prédication. Kanisa lite ya oyo. Quand vous serez dans une circonstance, quelqu'un vous a mal parlé, il vous a dérangé. Vous allez réagir. Mais alors après, pensez à cette prédication. Pendant toute la semaine, faites ça, mon frère. Ma soeur, faites ça. Certainement, quelque chose vous arrivera. Quand vous commencerez à faire ça, le Saint-Esprit qui est en train de vous parler, il fera quelque chose. Vous deviendrez une autre personne. Quelque chose vous arrivera. Et quelque chose arrivera à cette église. Certainement, quelque chose arrivera dans votre maison. Quelque chose arrivera dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, qui qu'il soit, qui entre en contact avec toi,
Après avoir parlé avec lui, pensez à cette prédication. Comment vous avez répondu? Comment vous avez réagi? Et si vous oubliez et que votre frère vous rappelle, soyez heureux de penser à la prédication. Si vous oubliez et que votre femme vous rappelle, soyez heureux, pensez à cette prédication. Si vous oubliez et que votre mari vous rappelle, soyez heureuse, pensez à cette prédication jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans votre vie. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, c'est toi qui nous as appelés. Nous étions rebelles. Nous étions tes ennemis, Seigneur. Nous étions au service de Satan. Mais toi, par ta grâce, par ta miséricorde, tu es venu nous chercher. Tu es venu nous chercher, Seigneur, pour que nous devenions comme toi. C'est pourquoi, Père, après avoir écouté ce que tu nous as dit ce soir, nous venons à toi tel que nous sommes. Reçois-nous, Seigneur. Parce que tu nous as dit, c'est toi qui fais le travail. Maintenant, Seigneur, nous nous abandonnons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Nous n'avons rien à forcer, mais nous voulons être sincères avec toi. Car nous ne sommes pas encore devenus ce que nous devrions être. Nous voulons dire ça sincèrement. Et toi, tu nous connais, Seigneur. Seigneur Jésus, bénis chacun de nous, Seigneur. Après avoir écouté cette parole, que chacun rentre chez lui, pense à ce que Dieu a dit ce soir. Seigneur, éloigne l'esprit des distractions. Éloigne l'esprit des doutes. Éloigne l'esprit des raisonnements. Éloigne l'esprit d'oubli, Seigneur. Que cette prédication puisse résonner dans le cœur de chacun. Et pourquoi pas, Père bien-aimé, que chacun procure un CD ou une bande qu'il mettra constamment jusqu'à ce que sa vie change. Père bien-aimé, fais quelque chose pour cette église. C'est toi qui nous as amenés ici, Seigneur, pour nous préparer, pour nous transformer, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas être comme ce que nous étions avant. Laisse que ceux qui étaient avec nous, Père bien-aimé, quand ils nous verront, Dieu, qu'ils voient de nouvelles personnes, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Les pasteurs ne peuvent rien faire, Seigneur. Nos amis ne peuvent rien faire, Seigneur. Tu es le seul qui peut faire quelque chose pour chacun de nous, Seigneur. Fais cela, Père bien-aimé. Car si toi tu ne le fais pas, Seigneur, personne d'autre ne le fera. Nous nous croyons à ta parole. Nous croyons que c'est toi qui nous as parlé, Seigneur. Seigneur, si tu n'avais pas encore commencé l'œuvre à chacun de nous ce soir, viens commencer l'œuvre à chacun de nous, Seigneur. Que chacun se dise à lui-même, Seigneur, Seigneur, viens commencer l'œuvre à moi. Que quelque chose change dans ma vie. Que le Saint-Esprit, dont nous avons tant entendu parler, devienne une réalité dans ma vie. Merci, Seigneur. Je te recommande cette église, Seigneur. Je te la consacre, oh Dieu Tout-Puissant. Je la remets entre tes mains, Seigneur. Toute l'église, ceux qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui font partie de cette église, je te les remets, Seigneur.
Travaille Sala. À chacun des bien-aimés. Et manifeste-toi, ô Dieu, à chacun de nous, Seigneur. Nous voulons voir la personne de Christ habiter chacun de nous, Seigneur. Et que cette église soit plein feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse brûler au milieu de nous, Seigneur. Et que l'amour divin puisse s'installer à chacun de nous. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Merci, Père bien-aimé. Nous avons confiance en toi. Et ce que nous avons demandé ce soir, tu l'as déjà accompli. Et nous verrons cela s'accomplir. Car nous avons demandé cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus. Maintenant, les paniers vont circuler, le Seigneur. Bénis ces paniers. Sanctifie le Seigneur. Et laisse que chaque main qui mettra quelque chose soit béni de l'Éternel. Bénis le travail de tes enfants, Seigneur. Oh Père bien-aimé, prends soin de nous, Seigneur, comme tu l'as promis dans ta parole. Afin qu'un de ces jours, si tu viens prendre l'épouse, qu'il n'y ait personne qui veut qu'il reste ici. Nous te demandons, Père bien-aimé, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oui. Oui. C'est un rappel. Ce samedi, le 1er août. Oui. Bien que pour les Aïwa, pour les Congolais, c'est la fête des morts. Nous avons eu des réunions de ministres ici. Au Congo, c'est la fête des parents, n'est-ce pas? Na Congo, c'est ça. Comme ça, les enfants vont préparer pour leurs parents. Que les parents se reposent. Vous qui avez les grands enfants. Que les enfants préparent. Que les parents mangent. Audience pour demain. Il y a un frère ou une sœur qui a remis son nom à King. Même pour l'audience, si ton nom n'est pas ici, viens demain, tout simplement. Parce que j'ai oublié le papier à la maison. Sœur Ruth Bossomi, frère David Kabeya, frère Fiston Mbeli, frère Joël Ndikaï, frère Bayaka Branham. Donc vous serez reçus demain à partir de 9h. Ok. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié. Rappelez au ministre que vous rencontrerez que nous avons une réunion demain. Samedi. Et le sujet, c'est toujours le Saint-Esprit. C'est un sujet très important. On peut rester là des années et des années. On ira ailleurs, on reviendra toujours là. Quand vous tous vous serez remplis du Saint-Esprit, nous allons prêcher aux nouveaux venus. Donc on continuera toujours à parler. Et si vous l'avez déjà reçu, ne dites pas à vous-même, mais pourquoi les pasteurs entendent de parler comme ça? Moi, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Je parle aux gens qui n'ont pas encore eu les tickets. Toi qui as le ticket, sois tranquille. Le receveur est en train de crier. Somba ticket, somba ticket. Somba toi, tu regardes, tu as le ticket. Mais lui, il sait le nombre de papiers, de personnes qui sont entrées. Que tout le monde n'a pas encore payé le ticket. Laissez-le crier. Mais toi, tu as déjà ton billet. Reste tranquille. Mais celui qui n'a pas encore eu ça, achète ton ticket. Somba bien pour aller à Jérusalem.
Nous sommes arrivés à la fin des cultes. Rentrez chacun dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes en train de chanter, vous allez commencer à sortir par les pas de derrière. Il y a les paniers à la porte pour les offrandes, pour la construction.